Chers lecteurs Inside News, aujourd'hui, moi, Chef Zulfiqar Ali, vous présente une recette bien facile pour le nouvel an. C'est kofta poulet. Pour commencer, on a poulet. Poulet qui nous écrasé dans Moulinex. On a œuf bouilli. On a l'aïti. Mon amour épice préféré, c'est rasoul anout, une recette marocaine, une épice marocaine. On a l'ail gingembre. Cannelle, persil, mon écrasé avec de l'eau, mon a safran, mon a sel, mon a girofle, mon a oignon écrasé, mon a yaourt qui fait maison, mon a purée tomate, mon a un des épices les plus chers du monde, c'est safran, le pistil de safran, mon a et mon a couleur, mon a tilani. On a tilani en poudre, on a garam masala, on a un oignon frit, on a lait en poudre. Et là, pour commencer, nous avons déjà fini bouillir œuf. Pour commencer, ça nous faisait mariner nous poulet. Pour mariner nous poulet, nous avons un gingembre. Voilà. Un gingembre. On a mon épice rasoul anout. Tchigit. On a un tchigit. Safran, un petit peu de style de safran, on a un petit peu de PSI, on a cotomili, on a un petit peu de chilani, on a garam masala. Après, pour faire des parfums, on ajoute un petit peu d'oignon frit. Voilà. Ça nous a fini de frire, laver et nous garder. Hein. Voilà. Là, on marine tout. Bien ensemble. Fait les gars parfait bien. Là, moi, j'ajoute un petit guide de couleur. Là. Du sel, voilà. Quand on trouve mon fini mariné, là, je laisse reposer pendant 10 minutes. Voilà. Et voilà. Quand mon sauce finit après 10 minutes, qui m'a poulé une. Mon poulet mariné bien avec sa manne d'épices là. Là, je prépare œuf. Je coupe à 4. Œuf bouilli, c'est œuf dur. Nous bouillons dans de l'eau à peu près 12 à 15 minutes sur un œuf dur. Voilà, je finis de couper 10 œufs là. Là, je parle en robe mon poulet. Je mets un peu de l'huile dans mon lame, c'est ma technique qui nous vient suivre, c'est mettre un peu de l'huile, nous la mettre avec un petit peu de l'huile. Je prends un petit peu de poulet qui m'a mariné. Voilà. C'est ma technique qui nous vient suivre. Voilà, il fallait comme ça. Après, je vais mettre un quart d'œuf là-dedans. Je vais pleurer. Voilà. Je tourne bien, je vais mettre là-dedans. Voilà. Nous marinons, nous mettons dans une assiette. Fait des gemmes. Nous mettons des gemmes. Nous fermons. Voilà. C'est ça qu'on appelle kofta. Voilà. Nous faisons trois gemmes. Nous mettons œuf au milieu, nous fermons les. Pour tout ça, c'est une technique là. C'est une technique là que nous devons suivre. Pour ne pas aller nous travailler, nous faire les vite, qui n'est pas une technique. Là, nous roulons bien. Nous mettons un kofta, nous mettons là. Et voilà, nous finissons faire nos kofta. Là, une autre technique encore, c'est pour ne pas casser. Nous faisons pocher un peu dans le bouillie. Ok?
Et le bruit, on met la cigarette de l'eau bouillie. Les arrivées bouillies, on met là-dedans comme ça. Juste pour qu'il coagule, ça, la viande poulet là. Là, nous laissons 2-3 minutes. 2-3 minutes, le 6 bouillies. Nos kofta, nous fini coaguler, nous fini parer. Puis expose. Nous tiens nos kofta. Voilà. Là, qui fait mon fait ça, mais dans le bruit, même les boutons, on va essayer de casser. Nous fini coaguler. Avec ça, œuf là, finir sur un peu au-dessus du tout là. Là, nous allons taper ici, il y a pour casser. Voilà. Koftan, pareil. Maintenant, Astia, on parle de ma prochaine étape, c'est nous, la sauce kofta et la préparation. Maintenant, prochaine étape, c'est la sauce kofta. Pour la sauce kofta, nous besoin oignons écrasés, nous besoin yaourt, nous besoin de l'huile et nous avons un ingrédient à part. Pour commencer, nous réchauffons la casserole. Nous mettons de l'huile. Voilà. Nous laissons pour aller chauffer. Nous ajoutons nos cannelle. Nous ajoutons l'élaïti. Nous ajoutons girofle. Filani. Là, nous laissons roussi. Et quand ça va finir aussi, nous ajoutons nos oignons écrasés. Nous laissons roussir encore. Nous ajoutons nos purées de tomates. On laisse roussir bien. On fait de la sauce, un gravy. Après ça, un gravy, on fait de la sauce. Là, on ajoute nous, yaourt. Là, on ajoute un petit peu d'épices, rajoute la nut. On ajoute un peu de safran. On ajoute PSI qui m'a écrasé. On laisse roussir bien. Et là, on ajoute un peu de l'eau. Nous la sauce kofta. Là, nous assaisonner.
Là, nous goûter, c'est pas salé. Pour faire ressortir encore qui nous vient bien roussi nous joignons avec nos tomates. Vous voulez pas avoir des petits cris, vous n'allez pas avoir un goût, vous voulez un goût tomate, mais bien, on va dire bien roussi. Voilà. Nous la sauce, il me paraît. Ça commence à bouillir. Là, nous ajoutons nous kofta. Là, nous laissons cuire pendant 10 à 15 minutes. Si vous avez envie, j'ajoute un peu pistil de safran, un peu zafran, comment nous dire, qui donne un peu plus de parfum, nous allons ajouter ça selon nos goûts. Ça. Et moi, je suis bien content de ces épices-là. Et là, ça va être rajouté la nuit, je suis bien content parce qu'il y a pas de goût. Là, j'ajoute mon gilet en poudre. Voilà. Donc vous trouvez du lait en poudre. Nous pas servir juste pour nous boire du thé, nous pas servir juste dans la pâtisserie, mais nous servir aussi dans la cuisine. Et voilà. Nous la sauce, une bien mijotée, ça aime bien réduire, une cuit dans le feu doux. Là, on ajoute nous cotomili. Nous presque pareil, cotomili. PSI qui fait mon content mettre PSI parce qu'il est bon pour manquer et un mauvais cholestérol. OCM, c'est tout pour l'année, madame mange beaucoup, mais nous mettons PSI bien dans nous manger. Voilà. Et puis, nous mettons nous joignons frire. Voilà. Le sien petit guide dans 2 minutes encore dans le feu doux. Voilà, nous kofta in paré. Nous kofta in paré. Là, on va faire une présentation. Nous, man cuisine, quand on fait autre présentation, nous mangeons avec présentation. Voilà, nous avons un jiri qui m'a déjà fini préparé. C'est un jiri fricassé. Nous allons frire. Nous faisons une salade avec les tis, coco manglé et tomate avec un petit la sauce. Là, je présente lui aux salades. Là, je l'achète. Voilà. Là, nous mettons nous jiri. Là, nous mettons le petit kofta. Et voilà, nous kofta couler une parée. On a une jirification avec une salade. Même si on peut faire une salade, on peut faire une salade bouillie selon notre goût. On peut manger avec du pain. Et voilà, nous terminons. Cherchez, monsieur Tchot, une heureuse année